plein de vie. Des enfants, ils étaient 44. Ils étaient exactement comme vous, enfin, comme sont tous les enfants. Dans une maison à Eysieux, surplombant la vallée du Rhône. Leur fuite devant l'invasion allemande les avait réunis. Et derrière chaque nom, on sent la peine amère. Tous résistent au monde, serrés l'un contre l'autre en ces temps de